Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Lynx, mince alors. Le capitaine n'est pas là alors. Partez de là, bande de marins d'eau douce. Ah, c'est gentil. Le sol est brûlant ici, rien ne poussera. Porte dehors. Papa joue. Attends. Et l'ancien? Non, papa joue, c'est pas le commandant. Je veux dire, c'est pas Lynx. Alors tu veux dire que tu es réellement caribou? C'est dur à accepter, mais je ne sens pas la malveillance de lynx en toi. Je n'ai pas l'habitude d'être poursuivi. On m'a raconté ce qui s'était passé, mais je pouvais y croire avant de le voir de mes propres yeux. Oui, merci d'avoir sauvé Dame Ophélie. Je t'en suis très reconnaissant. Je n'en peux plus de ces guignols de pâle pourrie. Au moins, on a réussi à sauver Dame Ophélie. Il n'empêche qu'un jour, je repenserai notre manoir.
Merci du fond du cœur, Caribou. On m'a raconté ce qui s'était passé et nous ne pouvons pas laisser Lynx continuer comme ça. J'ai une dette envers toi aussi. J'aimerais me battre à tes côtés. Je n'ai que peu d'expérience dans le domaine, mais j'espère pouvoir t'être utile. Ophélie, rejoins votre équipe. Tu as l'air très fatigué. Je pense que tu devrais te reposer. Souhaites-tu te reposer? Oui, merci. Hein? Ils sont là. Tu as pas l'air bien plus en forme, papa. Désolé de t'avoir causé ce souci. Merci pour tout, merci. Désolé de t'avoir apporté. Merci. On dirait que j'ai causé un souci à tout le monde ici. Ah, bon sang. Prends-toi, Lynx. Tes 9 vies sont épuisées. Je connais cette voix. En effet. Yes. Hey, vous. Et Lynx, c'est aujourd'hui que je te fais la peau. Que ça? Que fais-tu, Seigneur Lynx? C'est mon ennemi. Je n'ai pas le jazz que tu connais. Pas de doute, c'est bien Jess. Mais dans l'immédiat, c'est toi qui es Lynx. Et moi, je suis Caribou, et fut un temps où nos rôles étaient inversés. Il y a un problème aussi. Ses yeux, ta mort vengera celle de Lucas. C'est vrai, Jess? Et aujourd'hui, je tue Lynx. Et je venge Lucas. Caribou, je crois qu'on ferait mieux de se replier. Abandonnez la cabane et encerclez. Vous ne pouvez pas vous échapper. Qu'est-ce qu'on va voir? Caribou, mange! Bon sang, ils se sont enfuis. Peu importe. Que le commencement, ce n'est que le commencement de tout. Bon boulot, Pteros. Bon. Capitaine, tous les autres ont embarqué. Parfait. Et Caribou, ça te dirait de faire équipe et l'étendre, toi et moi? C'est pas vrai. Vous voulez bien la fermer quand on finisse? Je vais vous boiter les fesses si fort que vous allez atterrir sur les lieux. Tu vas voir, Lynx, aujourd'hui, tu vas payer pour tes crimes. Et tes prières, même si ça ne te sauvera pas. Tu commences à me taper sur les nerfs. Ouais, je sais. C'est fini, là. Fais tes prières.
qui arrive où? Dis-moi, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Demande-toi ce que tu peux faire et ensuite, ce que tu dois faire pour l'obtenir. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas maintenant, alors, quand, n'est-ce pas, Caribou? J'adore cette brise aussi. On a, ou pas. Le capitaine nous a expliqué ce qui se passait. C'est vrai que t'as pas. Il n'a pas la même attitude que Lynx. Au matelot, qu'est-ce que vous faites? Vous faites là. On était sur le point de partir. Le capitaine voulait vous voir. Je vais vous passer un sale quart d'heure si je vous laisse partir. Au fil, il est temps de régler nos comptes. Une bonne fois pour toutes. Préparez-vous. C'est toi, Caribou. Fargo, notre duel attendra. Je dois m'en tenir avec Caribou. Comme vous voudrez. Caribou, Lynx s'est rendu à la mer d'Éden. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'empêcher de mettre la main sous la flamme gelée. Je vais t'aider. Nous devons à tout prix l'arrêter. Le général O'Field a rejoint votre équipe. Oh, plus mince. Et Caribou, je vais t'aider aussi. Tu m'as sauvé la vie deux fois. J'en sais déjà trop. Je peux pas rester assis là à faire comme si rien n'était. Fargo a rejoint l'équipe. Je vous réglerai votre camp plus tard. Quand on aura fini avec tout ça, je m'occuperai de vous. Très bien. Je ne me déborderai pas. C'est avec plaisir que j'accepte votre défi. Attendez. On vient aussi. J'espère que ça vous dérange pas, Caribou. Merci, agent. Rejoins votre équipe.
Moi aussi, je voudrais aider. Il n'y a aucune raison que je ne me batte pas. Et puis tu as sauvé Dame. Shibikar accepte ce geste comme gage de gratitude. Zora rejoint votre équipe. C'est prêt à y aller, Caribou. Retourne là. Un cul-de-sac. Tu sais comment faire pour passer? Tu veux savoir? Les porteurs au palais. Autrefois, c'était le seul accès à la mer d'Éden. Mais d'après la légende, personne ne l'a vu pour approcher depuis que les dragons ont enfermé la flamme maléfique. Comment on est censé entrer alors? Grâce au pouvoir des dragons qui ont enfermé la flamme, il faut briser le sceau du portail au palais avec une relique de chacun des 6 dragons. Les reliques brisées, le sceau, si tu veux dire? Non, le vrai portail qui mène à la mer d'Éden n'est pas ici. Il est dans la Fromando, là où se trouve la mer morte. Et où est-ce qu'on va trouver les 6 dragons? Ils sont en différents endroits dans les 2 mondes. Avec toutes ces légendes qui courent dans les îles à propos de ces créatures, elles devraient être faciles à trouver. Oh, et ces grands lynx. Lynx déguisé en caribou est déjà à l'intérieur. C'est parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à caribou. Comment ça? Même si tu parviens à obtenir les 6 reliques des dragons, ne pourra pas entrer en tant que Seigneur Lynx. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? La lame de dragon. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, à moi de te poser une question. Si tu devais choisir entre le monde et moi, qu'est-ce que tu choisirais? Allez, matelot. Arrête-toi toi-même. Je te souhaite de réussir. Pourquoi je lui dis tout ça? Tu es vraiment stupide, Gwen. Qu'est-ce qui ne va pas, Gwen? Un fluide s'écoule de tes yeux. Ah, c'est toi, Matador. Ne t'inquiète, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas pour ça. Quelque chose a changé? Le maquillage de Gwen n'est plus le même que d'habitude. Il pense que tu ne dis pas la vérité. Pourquoi mentir, Matador, Gwen? D'accord, tu as raison. On dirait qu'on ne peut rien te cacher. Ça s'appelle une larme. Ça coule tout seul de tes yeux quand tu es triste. Tu souffres. Une larme? De l'eau sort de tes yeux quand on est triste.
Là, on est triste pour nettoyer notre vis sans visage. Pas très posé. On a dit à personne que je pleurais. Tu me promets? Il aime les promesses? Il promet. Il ne rencontrera personne qui l'a vu Gwen pleurer. Attends, mais pleurer, ça veut dire que toi, Gwen, tu es triste? Mais pourquoi? Même si on est proche, je peux pas te le dire. Un jour, tu comprendras le moment venu. Chaque problème a une solution, enfin presque, j'espère. Je serai solidaire de ton ennui en te réservant à rentrer. Je préfère rester à l'abri. Qui pourrait même raconter la légende du dragon. Ah, le maire. Espèce de chef, là, c'est vrai. Caribou, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce village? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vois un attroupement. Allons voir pourquoi. Des soldats de Palpori dans un petit village comme celui-ci? C'est parce que quelque chose. Qui est cette fille? Tu oses défier l'armée de Palpori? Et alors? Tu devrais arrêter de te cacher derrière tes hommes et essayer de m'arrêter toi-même. Tu vas regretter. Allez, vous autres, allez arrêter cette fille. Pourquoi moi? On ne discute pas, c'est un ordre. Vous avez entendu? Cesse de résister. Une femme devrait être plus délicate et distinguée. Voilà, ça vous a donné une bonne menace en grand soldat. Ou vous voulez encore? Ah, mais c'est le commandant Lex, nous n'arrivons pas à arrêter cette fille. Aidez-nous, mon commandant. Comme ça, on appelle les renforts, mais vous ne ferez quand même pas le poids face à moi. Partez de ce village maintenant.
partir, la grande légende. Tu peux être un de tes soldats, tu ferais mieux de te battre jusqu'au bout. T'as le choix, voilà, ça va. Elle veut couler. Ça y est. Champ de gravité 6. Allez. Et voilà.
C'est un travail, commandant Lynx. Je savais que vous pouvez compter sur vous, mon commandant. Merci de votre aide. Nous nous occupons du reste. Nous allons l'emprisonner et la juger pour quartier général. Attendez, je vous ordonne de vous et vos troupes de retourner au quartier général. Nous nous occupons de cette fille. Ce village est placé sous le commandement du messire Lynx jusqu'à nouvel ordre. Faites-en état au nouveau commandant. Mais ce sera trop de boulot pour... Il vous sauve, quoi? Il est un ordre de votre supérieur. Si vous vous obéissez, c'est la cour martiale, est-ce que c'est clair? À vos ordres, commandant. Nous allons rassembler les troupes et retourner immédiatement au quartier général. Tu es caribou, tu dis? Et tu es dans un corps différent? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il faut que tu retrouves ta forme d'origine. Je n'y crois pas, c'est vraiment possible. Quelle idée de se lever si vite aussi, ça va? Même si tu es une guerrière surentraînée, il faut éviter de tirer sur la corde. C'est bon, mais j'ai failli laisser ma peau ce coup-ci. Donc il faut que je m'entraîne davantage. Ouais, ça pique. Je vais te prêter cette broche, comme ça tu pourras prouver que tu es bien caribou une fois. Tu seras redevenu toi-même. Broche de saphir. Ce n'est pas celle de ta sœur? Ouais, mais je peux m'en passer pour le moment. Écoute-moi, caribou. Promets-moi de venir me voir une fois que tu seras redevenu toi-même. Je me ferai un plaisir de t'aider à ce moment-là. Bon, faut se rappeler de ça. Je vous ai causé pas mal d'ennuis avec ces incidents. Ce qui est plutôt gênant pour un docteur. J'imagine que vous allez poursuivre votre aventure. Essayez de ne pas trop prendre de risques. Il faut en être fort dans la vie, parce qu'elle n'est pas éternelle. Soyez prudent pendant vos voyages, les difficultés vont partir. Font partie intégrante de l'aventure, mais ne baissez jamais les bras. J'ai une sœur jumelle, elle s'appelle Tia. Les légendes anciennes disent que les jumeaux sont de mauvais augure. Enfant, j'étais séparé de ma mère et de ma sœur, qui sont partis d'El Nino. Je suis resté seul avec mon père. C'est comme si j'avais perdu une moitié de moi. J'ai ressenti un énorme vide dans mon cœur. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne avant, ça fait bizarre. J'ai parfois l'impression qu'il existe des mondes à l'infini. Et que je ne sais pas trop... Je ne suis pas la seule, moi, qui existe. Tu ne trouves pas cela étrange? Mais peut-être que j'essaie juste de fuir la réalité. La seule chose qui m'a toujours aidé dans le moment difficile, c'était cette broche de saphir. Elle a été transmise de génération en génération dans ma famille. Elle était brisée en deux. Une moitié m'appartient, et l'autre est à ma sœur Tia. Inutile de me rendre tout de suite. Cette pierre bleue, c'est la seule qui existe en ce monde. Elle me prouvera que tu es le vrai caribou. Garde-la donc avec toi jusqu'à ce que tu aies retrouvé ta véritable identité. Vous êtes au sanctuaire du dragon, le résident de notre chef, le chaman Daria. Veuillez surveiller vos manières dans cet endroit.
quoi sa couleur déjà, genre. Et quand ma chère, tu choisis sa voie, mais tant que nous serons humains, certains d'entre nous risqueront de se perdre. Je prie pour que votre chemin soit illuminé par les autres pistes et ces dragons divins. Je vais répondre à vos questions du mieux que je peux. Sur quel sujet ? Les six dragons divins. Comme vous le savez sûrement, la nature est un équilibre entre six éléments. Ils sont le blanc, le noir, etc. Chaque élément s'est lié à un nom pour former une paire. Et maintenant, l'équilibre sur lequel repose notre naturel. Les dieux, qui représentent chaque élément, sont les dragons divins. Comme les symbolisent les pouvoirs de la nature et sont également appelés les divinités de la nature. Le soleil est blanc, l'obscurité est noire. La flamme sont rouge, l'eau est bleue. Vert sont les feuilles de la forêt, le vent qui souffle, jaune sont les forces de notre mère, la terre. La cascade, c'était il y a à peu près un siècle avant que les immigrants du continent arrivent à El Nido. Les derniers dragonniers aujourd'hui disparus, les demi-humains et nos ancêtres vivaient sur l'île principale et non sur les îles voisines. Oui, à l'époque, les dragons faisaient encore l'objet d'un culte se fervent. Humains et demi-humains vivaient ensemble, au sein d'une même communauté. C'est difficile à imaginer nos jours, mais c'est la vérité. Le pouvoir de la planète se concentre. À certains endroits, sur l'île principalement. L'un de ces endroits s'appelle la cascade des dragons divins. Ce nom est tombé dans l'oubli à l'île principale. Les tribus et les demi-humains sont les seuls à le connaître.
Il s'agit d'un ordre unique de nos ancêtres a reçu le feu des draconiens. Traditionnellement, il était transmis de chaman à chaman, et quelqu'un l'a volé à Galdov. Flamme gelée. Flamme gelée, c'est la première fois que j'entends son nom de jour. Pendant toute l'histoire de jour, soyez très prudent en regardant la flamme. À la flamme, vous regardez aussi. Elle vous transforme en un être différent, ou elle vous réduira ensemble. Dans le poème de Nido, le phare vient juste le suivant. La flamme maléfique cherche à dévorer le monde. Flamme maléfique, il s'agit peut-être de la flamme gelée. Dans ce cas, elle ne devrait pas être entre les mains des humains. Que votre voyage soit béni par les opiés de ces dragons. Je sais pas si c'est dans ce monde-là ou dans l'autre monde. Je crois que c'est dans l'autre monde qu'on peut aller dans la cascade. C'est là, mais ça.
toi. Dans ce monde-ci, on n'a pas de bateau. Il y a un bateau là-bas. Là. Le dragon déçu. Il y a un truc bizarre là-bas, on dirait. Mais non, je ne vais pas. Et va d'en voir par toi-même. Un siècle environ avant que les humains du continent débarquent, ici on trouve encore des dragonniers. Il y a des humains-humains et des demi-humains. Un grand nombre. Oh. Beau. Bienvenue, humain. Je suis le dragon des cieux, l'élément blanc. D'abord, obtenez la protection des cinq dragons du monde. Le dragon de l'eau, le dragon de la terre, le dragon du feu, le dragon noir et le dragon vert. Ne revenez me voir lorsque ce sera fait. D'abord, obtenez la protection. Ok. Le dragon bleu, lui, était... Ça me semble. Dragon du rivage. Mais c'est que. Il prend plus là, c'est tard. C'est dans le passé qui est encore là.
Ah, maintenant je peux aller là. Psyché des gars, c'est pas une psyché. Non, on va voir que ça va donner. Je crois que le dragon est là-bas en bas. Putain.
bah... Sauvage. Caribou, le dragon de l'eau, juste un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il va nous dire? L'heure est venue. J'accorderai mes pouvoirs à ceux qui souhaitent briser les chaînes éternelles du destin. Que cherches-tu? La bénédiction du dragon d'hiver. As-tu besoin des pouvoirs des dragons dormants pour traverser la mer morte? Cherches-tu à briser les chaînes du destin? Le mortel qui défie la déesse du sort? Voilà qui est fascinant. Dans ce cas, surmonte les épreuves. Ah, faut que je me bats quand pour la voir. Putain. Thank you.
Alors ça je peux pas. Pourquoi là? Alors que je m'organise mieux que ça. Mais non, pas si ta foule. Tu ne parviens pas à me vaincre, aucun cas tu pourras affronter les liasses du sort. J'aurais une autre forme de choix, j'attendrai ici l'évolution des choses, jamais. Assigner, utiliser. Si c'est bleu, le meilleur serait rouge.
Bon, on va voir ce que ça va donner cette fois-ci. C'est bon ça. Thank you.
Une boule de feu, hein, sur le début. Ouais, ça fait tourner un peu. Ça va remplir. C'est bon ça. Il est fatigué. Je pense qu'on l'a eu. Yes. T'en es bien sorti, mortel. Ta force est digne de mes pouvoirs. Amène mes prières avec toi. Règle. J'observerai, moi aussi, le déroulement de ton destin, la lutte pour la vie et les façons dont tu feras face à la mort. Les filles de cette île n'apprécient guère ceux qui viennent de l'extérieur. Je vous dis, mon ami, vous devez partir. On ne reviendra plus.
Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!